Eh bien, salut à tous, c'est Demon Slash. On se retrouve aujourd'hui sur la suite. Alors, attendez, la manette s'est déconnectée. Pourquoi elle se déconnecte en ce moment? On l'a reconnectée. On se retrouve pour la suite de Borderlands 3, pardon. Ce jeu qui est vraiment oufissime. Alors, on va continuer, faire jouer, continuer partie, voilà. Officiellement, un nouveau Let's Play solo qui sortira, que j'en avais déjà parlé. Enfin, qui était il y a quelques mois, peut-être un mois de ça ou deux, je sais plus. J'en avais parlé en live sur je sais plus quel live, bref, j'en avais parlé justement sur les différents jeux qu'il y a à avoir en solo de mon côté. Et du coup, officiellement, du coup, je peux l'annoncer hein, officiellement. Salut, celui-ci chasseur de l'Arche. Que j'avais annoncé. T'as qu'à suivre cette route pour atteindre le saint centre des diffusions. Mais méfie-toi des dieux jumeaux. À ce qui paraît, Tyrin Calypso est la star du show. Son frère Troy s'occupe de tout le côté propagande. Et c'est tous les deux des cons. Ah ouais, je l'ai dit. Alors voilà, j'attendais qu'ils finissent de parler. La map charge un peu, parce que la map, comme vous savez, est assez costaud. Salut. Ils font même des bruits et tout, contrairement à avant, c'est ouf en vrai. Tu es une proie. C'est comme ça. Je ne tiens même plus le compte. Je ne vis que pour la faucheuse et sa chasse glorieuse. Alors, le jeu que je vous parle, c'est bien entendu Dishonored, le troisième du coup, le troisième opus de Dishonored. Sur la chaîne, j'avais fait le 2 il y a fort longtemps. J'aime pas combien de temps, je dirais. Je crois que je l'avais fait il y a 3 ans de ça, il me semble. Ouais, il y a quelques années de ça, je l'avais fait. Que j'avais beaucoup aimé, parce que c'est un jeu que j'ai refait quand même 3 parties différentes. Une seule avec vous en let's play, mais du coup je l'ai fait 3 fois de mon côté et que j'ai vraiment adoré. Je n'avais jamais joué un, je n'ai jamais toujours joué un, à moins qu'un jour si je tourne gratuit, enfin si je l'ai gratuit sur Epic Games, voilà. Je le ferai en let's play avec vous. En tout cas le 3 du coup qui est officiellement la suite, qui est sorti 2 ans plus tard, je crois qu'il sort de, il date de 2017, 2018 celui-ci, je sais plus. Et du coup, c'est le Dishonored 3. Donc j'espère va être intéressant. C'est vrai que je voulais le faire depuis un moment. Et, je sais pas, le mec qui baisse un petit peu en plus que ça. Et au final, il a seulement baissé depuis peu. Et il est à très très bon prix. Il est à, si vous voulez, actuellement, il est en grosse promo sur Instant Gaming. Il est à 4,08€. Alors, contrairement... au prix carte bancaire, c'est 4,08€. Si vous le prenez avec PayPal, ce que moi je fais souvent parce que c'est plus sécurisé que PayPal, vu que moi je procède toujours avec PayPal, donc voilà, c'est comme ça. Et bien il a 12 centimes de plus avec les frais de transaction. Si vous le prenez avec PSF Card, c'est 30 centimes je crois de frais de transaction. Donc c'est quand même, voilà, PSF Card c'est bien, mais c'est quand même voilà, encore un petit peu pas donné. Alors pour le coup PSF Card, moi je voulais avoir un PSF Card, on me devait de l'argent en fait suite à mes ventes d'avant, comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne ou sur le Twitch, je crois qu'on en a déjà parlé. Et bien cet argent là va me permettre d'acheter des jeux, des autres jeux que j'avais prévu d'acheter. J'attends juste qu'ils baissent encore, parce que là techniquement ils sont encore un peu chers, comme Assassin's Creed Valhalla qui est quand même encore à 45€. J'attends vraiment qu'ils baissent, ou One Piece. Voilà, il y a des jeux, il y a certains jeux que j'attends vraiment qui baissent, qui sont pas encore prévus à l'achat. Donc pas officialiser tout ça. J'en ai déjà parlé qui seront faits en let's play parce que c'est sûr je les ferai. Après dans combien de temps je ne sais pas. Là déjà les honorettes, je sais pas dans combien de temps on fera. Peut-être dans peut-être quelques mois, je sais pas, peut-être 6-7 mois peut-être. Tout dépend dans combien de temps je finis Borderlands de celui-ci. Et si je le fais directement après ou si je fais un autre jeu à la place. La passion de la chasse. Beaucoup de solo. Allez singe, tue-le. Putain mais dis-le. J'ai plus de coups de balle moi dans l'histoire. Ok. Donc on va aller à cette quête là. C'est la quête secondaire je crois. Ouais, c'est du secondaire, on en a deux. Faut être level 7 et 8. Alors je suis pas level 7 et 8. Je suis level 6. Ah c'est, ouais, on peut y aller à pied, c'est loin mais ça devrait le faire. J'ai vu un véhicule là. On va peut-être essayer de vous voler.
Ouais, c'est pas vrai. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Hop, comme ça va le plus vite. Je déteste les Calypso. Ils ont fait tomber les bandits de Pandore dans le panneau en leur promettant des bagnoles de la mort et des sonnats pleins de sang. Ça fait rêver, hein, non? Ben, je veux dire, même mes gars ont tout gobé. Bande de nullos. Perso, je les ai jamais vus. Mais ça doit être les plus grands psychopathes assoiffés de sang que Pandore ait jamais porté. Parce que moi, pour que mon clan me prenne pour chef, j'ai dû tuer un gars rien qu'avec mes abdos. T'imagines un peu ce qu'ils ont dû faire pour unifier tous les clans? Faut compter au moins 60 abdos, 50 minimum. Je sais bien que mon clan m'a trahi, mais si les Calypso s'en prennent à mes éclipseurs, je te promets que le sang va gicler. Ce qui serait plutôt cool. Parce que tu vois, ça fait un petit moment que j'ai pas fait gicler le sang à l'ancienne. Trop oh putain, c'est un ministre, c'est mon singe. Est-ce que j'aurais pu finir ma chasse? Est-ce que tout n'était qu'un rêve? Donc là, même chose qu'avant, on peut se ressusciter comme ça. Bon, du coup, comment c'est que là, je suis mort alors qu'il n'y a pas le sang. Oh le bâtard! Sérieux? Putain, c'est mon singe qui a lancé une bombe sur lui. Qui a lancé une... C'est pas une bombe, l'ami, vous savez, viens me voir. Les trucs là, comment ça s'appelle? Une espèce de tonneau là. Putain, c'est les singes qui achetaient un tonneau sur eux, quoi, c'est abusé. J'aime bien cette arme là, le petit fusil à pompe là, si, j'aime bien. Autant que j'aimais pas trop Ah, c'est dans quel jeu qu'on tirait comme ça? Dans Métro. Autant dans Métro, j'aimais pas trop le système. Mais là, dans Borderlands, j'aime bien. Voilà. Tu as fait si ton dernier souffle. Ouvrez le bec! Oh. C'est l'heure de la... Un fanatique. Wow, wow, wow. Pour lui. C'est le meilleur slip du monde! Bravo! Mes petites fesses se sont enfin rassurées. Cette ordure viendra plus jamais me tirer un de mes super slips Red Bar, tu peux me croire. Pandore est un peu plus sûr qu'hier, grâce à toi, chasseur de large. Je resterai dans mes souvenirs! J'y vais! Je suis né pour ça! Est-ce qu'il est bien sniper là? Il est pas ouf hein. C'est bien cette arme légendaire, je sais pas. C'est des balles classiques. Des dégâts. Ouais, bon, voilà. C'est quoi de ça? Ah, il y a. Ok, il y a un truc de quête à choper ici. C'est quoi cette merde là? Stormfront. Ah, c'est une grenade légendaire! Oh, d'Hyperion. Ah, donc il y a encore Hyperion là-dedans? Ok, donc peut-être qu'on va reparler d'Hyperion. Hein. C'est vrai que j'avais chopé cette arme là, très rare, qui fait pas tellement de dégâts, mais après si on pense que c'est comme celle-là qui tire en rafale, voilà, après je sais pas, ah non je sais pas comment débloquer cette arme. Ouais, je dois avoir un truc, c'est quoi, faut être level 7 requis, ok. Inventaire plein, putain, faudrait que j'aille vendre des trucs. Vendre ou. Ouais, je peux pas, c'est trop loin. Je dégage des trucs en fait. Ça, j'ai débloqué, c'est un skin. Ça, on peut. Ça vaut combien cette merde? 36, on dégage. Ça coûte pas cher, on dégage tout ça. Ouais, ça fait 136. J'ai combien que le mien? Oh, 136, il est mieux quand même celui-là, non? Bah ouais. Pourquoi je l'avais pas changé celui-ci? Il faut mieux. On a deux places vides, donc normalement logiquement le truc il devrait pouvoir nous. Ah ouais. C'est quoi ce truc là alors du coup?
ça va être level 7 pour le mettre. Et c'est une grenade, je crois. Ce fou les jetons. Les grenades logbois se téléportent à destination. Ah, c'est celle qui se téléporte. Ouais, ça fait 89 de dégâts. C'est pas énorme, mais c'est quand même légendaire en vrai. Et on tombe sur des légendaires comme ça. Genre, oui, bonjour. Parce que du coup, le jeu va être assez long. Je vais pas vous le cacher, je sais pas combien, il fait quand même 86 Go. Bon, après, il y a eu beaucoup de mécaniques en plus par rapport au 2, qui fait quand même 36 Go le 2. Est-ce que l'histoire sera plus longue que le 2? Je pense que oui. Vu quand même 86 Go, c'est quand même un gros truc. Donc, je pense que l'histoire doit quand même être beaucoup plus longue que le 2. Après, je sais pas en combien de live, honnêtement. Je sais que le 2, on n'a pas fait tellement de live que ça. Je crois qu'on a fait une vingtaine, un truc comme ça. À peine, hein, je crois. Ah, donc il y a une zone quand même. Y a le système de zone quand même. Ok, je pensais qu'il était pas. Donc là, ça serait, il y a quand même le système de zone, ok. Mais les zones sont énormes alors. Du coup, les zones sont quand même énormes. Plus d'espace aussi par rapport à avant. Donc, c'est vrai qu'avant, on avait très peu d'espace, c'était assez court. Ok, donc là, on a des trucs. J'ai un téléporteur, c'est bien. J'ai besoin de toi, mon ami. Ok, là c'est le armurerie. T'as les ennemis, et moi j'ai des munitions. Donc qu'est-ce qu'on va vendre debout? Alors, je partirais bien avec... Ça fait 100, 100, non, c'est ça. Hein. C'est quoi 141? C'est l'argent ça? Non, c'est quoi? Je sais pas ce que ça veut dire. Déjà ça on peut vendre, ça aussi. Ce truc là, on peut vendre. En vrai, je vais vendre un peu tout ça. J'avais un truc comme ça à une époque. On vend des petits pistolets, je m'en bats les couilles un peu. Celui-ci, celui-ci. Ça, je vais garder honnêtement. On sait jamais, ça peut être toujours utile. Du coup, c'est tout. Ça, on peut les racheter, du coup, les armes. Ça, c'est bien. Tu reviendras. Comme avant, ça, c'était pareil. On pouvait racheter les armes aussi. C'est vrai que là on n'a pas trop de mune. Pourtant on est full mune, hein. On est full mune. On est full mune apparemment. Elle part vite, elle part vite. Du coup on est bien. Pour l'instant on est bien. Je sais pas s'il y a des quêtes du coup ici du coup, à choper. Ah ouais, elle est costaud la zone là aussi. Hein. Ah ouais, il y a une quête à choper au bout. Ah c'est tout au bout en plus qu'on doit aller. Ah ouais, non, donc c'était vraiment une deuxième zone, hein, l'endroit qu'on est là. Donc là, c'est une deuxième zone. Mais c'est énorme quand même, parce que imaginez que là, c'est 4, voire 5, 6 fois. Non, peut-être pas 5, 6 fois. 4 fois, je dirais, là, une zone dans Borderlands 2. Voilà. C'est ça en fait, c'est énorme, la map est énorme en fait. Et elle est pas très vite, ça va. Il y a quand même du contenu, regardez, il y a quand même des mecs là, partout. C'est vraiment au 2 où c'était un peu vite, je trouve. Après c'est un truc post-apocalyptique quand même. Vraiment c'est apocalyptique. Bah c'est post-apocalyptique quand même. Borderlands, on est quand même sur un jeu comme ça. Mais voilà, c'est quand même, je trouve que c'est un peu moins vite que le 2. Est-ce que il faut que je sorte du véhicule pour que ça s'active ce truc là? Ah non, c'est déjà activé, d'accord. Parce que dans le 2 il fallait, même dans Pré-Sequel, il fallait sortir. Enfin, il fallait être à côté pour que ça s'active. J'aime bien le petit côté qu'ils ont fait là, genre un peu réaliste et moitié un peu comme avant. Je trouve que ça donne un petit cachet vraiment sympa au jeu. C'est un vrai bain de sang. Ok les amis, alors on va aller. Je sais pas si c'est de la brutasse par contre, je sais pas, fait gaffe. Contrairement aux autres d'avant. On arrive au terrain. Ah, ce qui est bien, c'est qu'il y a des autolocs partout. Prêt à chasser? Avant, on avait un tous les 30 terres, là, on en a tous les coins de rue. Bienvenue au Saint-Centre de Diffusion. Notre diffusion quotidienne va bientôt commencer avec une invitée spéciale. Faites vite vos offrandes pour rejoindre notre chat d'élite de niveau Iridium et profiter de toutes les coulisses.
charge, mon chapeau. Mais avant de commencer, je tenais à vous dire une chose. Vous m'avez tous accepté, alors que je ne suis même pas bandit de naissance. Mes premiers mots n'ont pas été soif de sang ou thorax écartelé. Mais aujourd'hui, on forme tous une famille. Et la famille, c'est pour la vie. Et tout de suite, la cérémonie après quelques dédicaces. Restez sur l'écran. Ok, donc c'est bon, j'attends qu'elle parle parce que j'aime pas trop parler en même temps que le dialogue. Eh bien, c'est vrai que Claptrap nous avait parlé de ça, qu'il y avait des Claptrap décédés, genre qu'ils avaient récupéré, et que... Et du coup, en fait, on les récupère. Regardez, en plus, ils se valident et tout sur la carte. C'est bien ça, du coup, il y a une quête à faire ça avec ça. Ah, choper tous les Claptrap, bon, je sais pas si on le fera ou pas. Je vais en choper de temps en temps. Après, je sais pas, faudra voir. Par contre, en fait, c'est trop pété. Alors, soit je tire. Ah ouais, soit je rends invisible, soit je tire. Et je donne des sacrés coups. Ok. Et ça se trouve assez vite. Regardez, il jette des tonneaux carrément fou. Oh, c'est la fille qui a. Bon, encore. Ah, je sais pas si mon singe est dessus, ça me relève ou pas. Il voit pas rien, mais quand même. Wow. Merci pour ton dévouement à la vie. Mais faire un match qui ne tue pas, te rend plus. On dirait plus des punks maintenant. Ouais, c'est plus des punks qu'avant. Qu'avant, c'était plus des mecs, juste des bandits comme ça. Maintenant, on dirait des punks un peu. Bon, vraiment. Il y a beaucoup de femmes aussi. C'est une arme, on dirait une arme moderne un peu. Mais ouais, arrête d'envoyer des trucs comme ça, toi. C'est cool. On voit du tout le truc. C'est trop bien. C'est pété ça en vrai. Soit j'utilise ça, qui a duré un certain temps, et je tire pas du coup. Et si je tire, je crois que j'ai une. Vous voyez, c'est pratique du coup. Et si je tire, regardez, ça m'accélère le temps. Donc je peux tirer peut-être deux ou trois fois. Du coup, avant que ça se. Ouais, c'est ça, je crois que c'est trois fois. C'est assez pété en vrai. Je peux passer derrière et genre niquer un ennemi comme ça avec un gros coup de fusil quoi. Donc, ça fait je sais pas combien de dégâts en plus. C'est assez pété en vrai. Un massacre inoubliable. C'est assez pété. Il y a une quête là. Je peux même pas les choper maintenant. Quoique, peut-être que si. Je regarde, je peux aller par là. Non, faut pas aller par là. Faut que j'aille à l'intérieur. Je vais récupérer un peu de balles quand même. Il y a un mec là-bas où je rêve. Ok, là il y a 118. Je prends pas le bouclier quand c'est trop bas. Alors, bouclier 72, on s'en fout. On va aller voir là. Parce que le but c'est un peu d'aller choper un peu tous les endroits quand même. Il y a une mouche. Je crois que c'était une mouche chez moi. Hein. Ouais, j'ai trop peur. Je crois que c'était une mouche chez moi le truc. Ah, c'est un coffre. Les fameux butins spéciaux. Il n'y a rien dedans. Mais... de caca, d'accord. Ok, il est
serait temps d'accueillir les éclipseurs dans notre famille. On publiera la vidéo plus tard avec une toute nouvelle morning boucherie. Je vous dis à plus. Partagez, likez et obéissez. Encore un stream parfait de notre infaillible reine divine, Tyrene. Le Saint Centre de Diffusion attend de nouveau toutes vos confessions et vos peaux fraîches. Parce que c'est à moitié des cannibales, hein, si vous connaissez pas Borderlands. Ils aiment bien bouffer aussi de la chair humaine là-dedans. En fait, c'est un peu ce qu'ils font que bouffer, je crois. Parce que techniquement, on voit jamais d'animaux, donc on peut penser du coup que qu'ils bouffent que des trucs humains, je pense. Ouais, je pense qu'ils bouffent que de l'humain en fait. Ah, des... ah, il y a des boucliers qui donnent. Oh, c'est intéressant. Donc on a quoi, on a un bouclier de 199 ici. Et un bouclier de 242. Oui, je prends. Ouais, je prends le 242. Et ça, c'est... On a acheté. Vous partez déjà? Bon. Attendez. Je sais pas si on l'a acheté. Ah, on l'a pas acheté. Non, je dis que non, on l'a pas acheté ce con. On l'a vendu l'autre. On veut entendre. C'est celui-là qu'on veut. C'est mieux que de payer pour un nouveau corps. Ça c'est sûr. Du coup voilà, on a celui-ci, ça c'est bien. Et du coup on va vendre cette merde. Acheter chez Z avant d'être raid. Enfin, je dégage un peu toutes mes armes parce que bon, c'est pas qu'on a quand même de la place, mais faut pas abuser non plus. Après, l'argent, voilà, c'est utile, donc je vais essayer de ramasser des gros trucs qui valent cher. Faut que j'aurai les prix un peu. C'est des mules, on s'en fout. Donc là, on a les deux trucs là, ok. Alors, je sais pas pourquoi. On dirait que ça, c'est les. Je sais pas, c'est bizarre. Ah, il y a une caisse. C'est la caisse. C'est la caisse. Comment ça? Ticket de caisse. Il y a toujours des butins là. C'est des trucs avec de l'argent en fait. Oh joli. Dommage, pas plus puissant que le mien. Oh. Ça fait assez mal ce truc. Oh le singe dégage, bouge un peu. Ouais, y'a rien. Y'a une nuit là. Oh. C'est quoi ça? Ne te retiens pas. Oh, j'ai un bouclier en fait. J'ai un calé en fait. J'ai un bouclier. Je crois que mon truc il donne un bouclier. Attends, j'ai pas lu le truc. Adaptatif. Projeté. Comment ça projeter? 8% de santé, 7 de résistance au dernier type de dégâts subi pendant 3 secondes. Ça c'est intéressant. Vous projetez votre bouclier en avant lorsque vous vous accroupissiez. Ce qui vous confère plus de 20% de réduction des dégâts. Ah, donc en gros j'ai un bouclier devant en fait, un peu comme un renard, tu vois. C'est bien ça. Donc on a 20% de dégâts en moins. Du coup c'est énorme. Satisfaisant. Non, parce qu'il trouve les tonneaux, je sais pas si c'est lui qui les invente ou c'est il les trouve vraiment. Pas en tout cas le bouclier là est bien intéressant. C'est notre moment. Ah, j'ai pris le bouclier. Je vais te montrer le pouvoir des dieux jumeaux. Mais qu'est-ce que tu veux avec tes dieux jumeaux à la con là? Je te niquer toi. T'es où ça là? Il est là. Il fait des dégâts maintenant. Les descendants de l'arche synchron. Ah ouais, non, je crois qu'il les invoque. Je sais pas, moi qu'il y en avait un là aussi. Wow, mais c'est... c'est trop bien. Je sais pas si...
pas s'il les invoque ou il y avait vraiment un tonneau. Je sais pas, fais gaffe, à moins que c'est sa nouvelle capacité, à mon sens. C'est vrai que j'ai des capacités à lui mettre là, enfin pas au singe, mais j'ai deux compétences. Je sais pas, à moins qu'il chope un truc et il les envoie, je sais pas. Pourtant j'ai pas. Non, j'ai rien qui fait ça en fait. J'ai chopé où ma blessure? Ah, mais là. Ah, mais du coup j'ai chopé ça ici, qui n'a rien à voir avec le truc. Putain, c'est la santé ça du coup. L'ordre d'attaquer voit son temps de latence réduit et ses dégâts augmentés. Ah. Le dégât de l'ordre d'attaquer 10%, temps de latence. Ah, c'est intéressant ça, je prends. Dégâts des armes. C'est quoi ça? Gagner bonus. Rang suivant. Dégâts des armes 0,4. Ah, ok, d'accord. Ça fait dégâts du familier. Ok. Ouais, durée de l'assaut. Ouais, c'est intéressant. Et c'est quoi le dernier? Il y a 3, hein, c'est ça. Ouais, 3. Et celui-là, c'est quoi? Compétent chasseur. Rang suivant. 2% d'un cumul. Ouais, c'est pas. Bon. Chance d'ajouter des munitions 12%. Ça, c'est intéressant. Vitesse de recharge. Vitesse de recharge. En vrai, j'aime bien avec le familier. Donc, du coup, je vais peut-être le booster un coup ici. Rang sur dégâts du coup critique familier. C'est bien ça. Ça j'ai mis aussi dégâts des armes, plus 60% de la compétence d'action. Ça c'est intéressant en vrai. Hein. C'est bien cette partie là, elle est bien, bien intéressante. En gros je pourrais avoir un singe qui grossit. Aussi ça peut être sympa. Parce que, du coup il fait quoi sa capacité au singe? Ah oui c'est vrai que ça me rend invisible. C'est vrai c'est intéressant, j'aime bien l'invisibilité. Ok donc là on a augmenté la capacité de puissance du singe. Oh. D'accord, rien de ouf. C'est quoi ça? Ah c'est une bombe. C'est ouf en vrai. Mais attendez, j'ai une bombe normalement à 7. J'ai ma légendaire. Ah oui. Est-ce qu'elle est mieux que ma légendaire? Non, je crois qu'elle est. Ouais, elle est un peu plus puissante, mais à voir ce qu'elle vaut la légendaire. Hein. À voir ce qu'elle vaut. C'est quoi ça? Un sniper? Ouais, non. Ouais, je préfère rester sur ça pour l'instant, c'est intéressant. Oh, c'est quoi ça? Rareté peu commun, d'accord. Ok. J'ai 3 bombes à checker. Du coup, on doit aller là. Je te vois. Oui, oh. Donne l'assaut. Oh, c'est intéressant. Ça se téléporte. Et elle fait des... Oh non, elle est bien, ma bombe, elle est bien. Ah ouais, non, regardez, c'est lui qui les invoque en fait, les trucs. Oh, c'est génial. Oh, je crois. Tu me laisserais pas faire. Vous êtes tous faibles. Rangez-moi. On va voir si mon couteau tient dans ton crâne. Zairine boira sa coupe directement dans ton crâne. Ok, c'est pas bien. Mon singe, il est seul à l'attaque. Les anciens, ceux-là. Les sadiques, on les connaît. J'avais un truc à dire. Ils ont évolué en fait, hein. Clairement, ils ont évolué en fait. Je pense que c'est ça, ils ont juste évolué, les mecs. C'est les descendants un peu aussi. Hein. Alors là, c'est quoi? Un fusil laser, ok. De dalle. Ah, dalle, on connaît dalle. Grâce à Presséquel, on connaît bien. Et ça, je sais plus, c'est le pouvoir ça de l'arche normalement. Tu as tout compris. Plus
jambes. Ah ouais, là aussi, Maniki, j'ai pas vu. Ok. Ok, fou. Fais-moi la thune, là. Je vole, moi. C'est des butins. C'est par là. Quoi, là? Il y a une espèce de... Ah, on peut aller directement là, mais moi, j'ai pas envie. Parce qu'ici, il y a des choses à récupérer. Donc, on peut se TP par hasard. Ok. Ok, j'ai trop de munitions déjà. Ah ouais, mais du coup c'est là-bas, je sais pas comment on va là-bas. Ah merde, je me suis goût. Ah non, non, c'était... non, non, c'est par là, excusez-moi. Non, du coup on est bon. Premier boss. Enfin, deuxième boss, je crois qu'on l'a déjà dit. Wow. Il a du style, il a du style. Ah, j'ai pas vu, il y avait un truc qui s'est affiché. Ah ok, c'est ma manette qui m'a déconnecté. Je sais pas pourquoi elle se déconnecte en ce moment, ma manette. Deuxième mini-boss. Ah, c'est le deuxième boss en fait. Il danse en fait. La tête directe. Oh, ah, faut que tu l'énerves là. Pour mieux renaître dans la chasse. Alors j'ai des bombes en permanence. Je suis né pour ça. Avec les grenades, regardez, ça me fait tellement de dégâts. La carte des arches, la voilà. Déjà. J'y vais. Quelqu'un s'en fout. Arrêtez. Il y a un mec qui est pas mort, mais je crois qu'il est au-dessus peut-être. Ah ouais, il y a des trucs intéressants. Hein. C'est intéressant ça. Oh, on a un dégât x2 quand même ici. Ah, bouge le singe. Perfection. En tout. Oh. T'avais très envie de me voir. Je savais pas que t'étais autant fan. Mais bon, t'as raté la fête. Ah, j'imagine que tu te demandes. C'est quoi ce statut? C'est pas mon petit truc à moi. Regarde les écrans. Quels écrans? Ah, celle qui les transforme en... C'est chiant le petit truc qu'on avance là. Ne négocie pas. Les dieux ne négocient pas. J'adore. Comme je disais, la carte est pourrie. Alors vas-y, je te la donne. Je repasserai plus tard pour la prendre. T'es ma fidèle numéro 1, rapace de l'arche. C'est juste qu'elle ne sait pas. Donc ça c'est les deux jumeaux là. Alors peut-être que c'est eux les peut-être les gros boss du jeu. C'est pas possible parce que Jack, on le connaissait depuis. Apporte-la moi et surtout la lâche pas. Je l'ai perdu une fois. C'était une fois de trop. Ouais, je pense que c'était. Je pense que c'est eux les boss finaux à battre. Je pense. À moins qu'il y ait un truc encore au-dessus d'eux. Moi, je sais pas. Mais en tout cas, putain de singe, il se bat contre un mec imaginaire. Calme-toi, bestiaux, un peu. On va aller chercher la quête secondaire qui est là-bas, j'ai vu. Par contre, c'est chiant qu'on avance comme ça, ce bug là qu'on avance. Je sais pas s'il n'y a pas une option pour enlever ça parce que c'est un peu chiant. Non, non.
je sais pas c'est quoi. Je crois qu'il n'y a pas en fait. On avait déjà regardé, mais. Ours de fer. Ah, c'est pour ours de fer ça. Mais ours de fer, en vrai, je pense que c'est pas mal aussi comme, comme ulti ça. Ouais, je trouve un truc, parce que des fois dans les jeux, c'est ce problème de qu'on avance. Hein. Je regarde, c'est pas un truc qui permet de. À part sauter. Non, même sauter, ça avance. Du coup, c'est la quête principale qu'on a faite, non? Mais oui, c'est la quête principale. Merde, je voulais faire la quête secondaire, moi. Ok. Mollet d'or. On va prendre celle-là. Fais-moi le pognon, toi. Ouais, c'est des punks comme ça. Des petits punks, des familles. Ouais, 8h20. C'est quoi la quête là? Bone, est-ce que tu connais cette tête décapitée? Oh, c'est pas possible! C'est Vic, mon adjointe en chef! Ma meilleure potasse! Chope sa tête! Non, mais genre. Voilà la gueule du monsieur. Ah, c'était une femme. Ils ont dû l'interroger en réalité virtuelle. Tu sais, on faisait ça aussi chez Hyperion. Quand on attrapait un espion industriel ou quand quelqu'un se faisait piquer sa salade au brocoli dans la cuisine et que j'avais pas le temps d'en refaire. Enfin bref, Vic est coincé dans une salle de torture virtuelle. Faut que t'ailles la tirer de là. Passionnant. C'est la première fois que je chasse dans une tête. Tu devrais trouver une console près de la porte du Saint-Centre. T'as qu'à y brancher la tête et ton écho te numérialisera directement à l'intérieur. Ah, attendez. Ah, c'est celui-là. Mais la réalité virtuelle, ça me dit. Hors de question que je me laisse démembrer molécule par molécule. Moi, plutôt 100% analogique. Je dois avouer que je pensais pas que les DDA utiliseraient la VR, mais... C'est vrai aussi que c'est vachement moins cher qu'avant. Il y a même des gens qui se créent des mondes entiers pour vivre dedans. Ouais, c'est bizarre, ça. T'en as aussi d'autres qui revisitent des mondes vieux d'au moins... 7 ans. Hein? What the fuck? Ils ont de la VR. Ok. Ben écoutez, en plus c'est niveau 6 la VR, donc on va la faire. C'est pas montrer mon niveau. Et ouais, je vois qu'on monte plus vite de niveau que dans les autres opus précédents. Laisse la vie s'échapper. On gagne plus d'XP, on gagne 67 XP, alors qu'avant on gagnait 1 ou 2 XP par mec, c'était abusé. Là on gagne de vrais XP en fait. C'est par là qu'on doit aller. Pour les deux quêtes, en tous les cas. Ouais. C'est pas très contraignant. Mais ça, j'ai l'impression que c'est de l'iridium, ce truc. Je sais pas, j'en ai pas vu comment elle ressemblait, l'iridium. On a chopé plusieurs, hein, plusieurs fois dans le jeu. Enfin, attendez, on a chopé, je le sais, parce que... On a 37 d'iridium, alors que je sais même pas comment je vais choper. Donc, imaginez, on retombe sur l'autre mec avec les dents. Mais Vogue, je vois pas c'est qui, par contre, hein, dans les autres opus d'avant. Parce que je crois que c'est un gars qu'on connaît, parce qu'il a dit que c'était un gars d'Hyperion. Peut-être que c'est un gars qu'on connaît, hein. T'as branché, Vic ? Super ! Maintenant, entre dans la salle de torture virtuelle et sauve-la ! Bon. T'es dans la simulation ! Vic est quelque part là-dedans ! What? Tu vas devoir la trouver et la libérer ! Amène-la jusqu'à la console de sortie ! Ça reconstruira son corps dans le monde réel ! Ah ouais ? Je préfère ma meilleure potasse en un seul morceau ! Oh, nom de Zeus ! Quand ils l'ont transféré, ça a dû fragmenter ses derniers souvenirs ! Tu vas devoir essayer de les retrouver histoire de lui rappeler qui elle est à son réveil ! Des échos. What? What? Il est mis. Fragment mémoriel 1. Salut moi-même. Notre crétin de chef Vaughn a enfin pris une bonne décision. Il m'a nommé adjointe en chef des éclipseurs. Il aura bien pris son temps pour remplacer l'adjoint Frompton après son petit plongeon dans cette fosse remplie d'acide. Frompton. Merde. Lui au moins il avait le sens de la fête. Vaughn est sympa, mais il ne voudra jamais Frompton. Alors, du coup, on a un truc virtuel, mais en fait, Même si je tremble, je n'espère plus. Toujours plus grand, toujours plus fort. Faible. Un peu chelou, un peu le délire, mais...
Il la joue comme un harmonica le truc. Mémorial 2. C'est ça que je veux dire. Et moi, tu le croiras jamais. On a trouvé un bidule alien complètement dingue dans le désert. On l'a rapporté au camp, histoire de le vendre aux descendants de l'Arche. C'est typiquement le genre de truc que ces débiles achètent. On va être méga riches. Je bricolerai. Les calypso, envoyez des rompons. Béni soit les bandes. Mais rompons de cette. What? Il fait quoi lui? Ouais, c'est caché dans le truc. J'ai vu qu'il y a son vocal. Oh non, mais sérieux. Oh non, sérieux, j'ai compris ce qu'il a été faire là-dedans. Il a créé une tourelle en fait. Avec les, le dépotoir là. What the fuck? Est-ce que nos vis se rechargent toutes seules? Non, même pas. Ok, autant le dire. Okay, pour l'instant, le bouclier est pas ouf. Après, c'est déjà mieux que dans Pré-Séquel, parce que, pas vous le cacher, qu'on a plus de vie là. Enfin, ouais, on a quand même plus de choix. Fragment mémoriel 3. Dans Pré-Séquel. Tu vas pas le croire, moi. J'ai montré le bidule alien à Vaughn et il est devenu super bizarre. Il m'a dit de le planquer. Oh, tout le clan pourrait bouffer du caviar de sale gosse pendant des mois si on vendait ça au DDA. En plus, c'est moi qui vais passer pour une connasse quand je vais dire au gars que finalement on le vend pas. Tu parles d'un chef, putain. Il a pas la moindre idée de ce qui est bon pour le clan. Putain. Donc il y a des coffres partout que j'avais pas fait tout à l'heure. Il y a quoi là-dedans? Bref, c'est de la merde. Ok, bam bam. On est bon. Alors le live va pas être non plus très très long. Hein. Je vais pas vous le cacher, je sais pas combien de temps. Je sais pas qu'il a vidé déjà. Il est déjà que 3 heures. Ça va. Donc on va, je pense qu'on l'arrêtera pour 4 heures, un petit peu avant 4 heures, je pense. Ça sera déjà pas mal. Hein. Fragment mémoriel 4. C'est ton moment, moi. Ce crétin de brailleur veut le bidule alien et Vaughn refuse de le vendre. On doit être le dernier clan de Pandore à pas avoir rejoint les DDA. Les éclipseurs ont besoin d'un nouveau chef. Et tu vois très bien de qui je veux parler, moi. Je parle de toi, moi. Ouais, ok, j'ai compris. J'avais compris. T'as trouvé tous ces souvenirs? Super. Oh, je suis pressé de les entendre. Vic et moi, on est comme les deux doigts de la main, tu sais. Allez, va sortir ma super potasse de la simulation. Non. Je sais pas pourquoi je sens que sa super pote va me tuer après. Sauf que c'est comme ça que ça se passe dans le jeu. Et tous les mecs qu'on sauve. Putain. Passion de la chasse. Ouais, je vous dis à chaque fois, mais je peux mettre à côté. Toi, là, tu apprécies ton dernier souffle. C'est une balle. Ça chauffe par ici. Allez, mon singe. Allez les gars. Je me planque. Ah, voilà bestiaux. Je l'ai fait pour Tyrine. Fouah. Faut pas vite ces balles hein. Bien. Très intéressant. What? Oh, il nous a donné un endroit. Genre, on peut passer par là. Mais oui, sympa le singe. Gentil, non? Ok, ok. Ouais. C'est elle? Humaine, je peux te libérer de cette prison mentale. Non, je peux pas partir. Il va encore m'arracher les bras. Ça fait super mal, même si ça repousse. J'y comprends rien, mais ça fait déjà au moins 50 fois. Touche pas ma prisonnière. C'est qui lui? Tu es l'interrogateur. C'est fini pour toi. C'est lui, con. On ira donc.
Pas trop, donc putain, il a sacré chute par contre. C'est bon, c'est bon. Merde, ça va péter. Contre char. Il marche. Expérience simultanée de l'existence et de la non-existence. Je te conseille de ne pas réfléchir. C'est super bizarre. J'aime pas ça du tout. Faut que tu me fasses sortir de là. Calme-toi, calme-toi. C'est quoi ça? Oh. Une personnalisation. La tête, visage inquiétant. Ok. Elle est où l'autre? C'est pareil? Ah, elle est là-bas. Ah, les alliés sont affichés avec un petit point, c'est bien ça. Oh, c'est une grosse caisse ça. Oh, joli. Rien d'intéressant, mais pourquoi pas. Donc, comment on sort de là? C'est bien gentil. C'est par là. Ceci est bien gentil, les amis. Ouais, ouais, ouais. On sort de là. C'est par là. Ça, c'est sûrement du truc virtuel. Moi, pour l'instant, l'arme légendaire est plutôt pas mal. Je la garde, elle fait le taf. Parce qu'au moment où elle fera plus le taf, elle va changer. Mais... pour l'instant, elle fait le taf. Level 8, donc c'est bien. On peut aller faire la quête. L'autre quête, je crois, qui était level 6 après. Et après, on attaquera la principale. Chemin du sacrifice. Là, on va se... ouais, c'est bien ce qui me semblait. Elle est là, elle, ou quoi? Oui, elle est là. Oh, la tête cutter, quand même. C'est ta tête, ça? Ah, quel putain de cauchemar! Merci de m'avoir sorti de là-dedans! Vic! T'es en vie! Enfin, techniquement. C'est à moi qu'il parle! Je comprends pas. Écoute, j'ai été conne. Ils sont cinglés chez les DDA. Ah, il y a deux têtes. En fait, il y a deux vies. Il y a elle. Ce qu'ils ont fait, c'est nous tuer et nous et torturer. L'autre là, en fait. Dans cet ordre. D'accord, ils sont deux. J'ai bien peur de devoir être assez brutal avec toi, Vic. T'as intérêt à me faire au moins 100 pompes d'excuses. Vite fait, bien fait. Et quand on a fini, tu viens me voir. On a un nouveau clan. Vive les pillards écarlates. Les pillards écarlates? Ouais, pourquoi pas? Bah, tant que c'est toi qui fais les pompes d'excuses. Ah, au fait, tu m'as sauvé les miches alors. Tiens, j'ai piqué cette arme quand on était dans cette prison numérique sans fin. Je te la donne, elle est à toi. Qu'est-ce que... Ok, c'est un peu bizarre. Mais non, allons. J'ai toujours rêvé de m'accorder plus de temps. C'est parfait. Je peux papoter avec ma personne préférée. Mais est-ce que toi c'est moi ou moi c'est toi? Waouh. Ouais, ça fait mal à la tête. Et la tête, c'est un peu tout ce qui me reste en ce moment. Mais sinon, faut que je te nourrisse, peut-être? Je crois que le liquide dans lequel je flotte me maintient en vie. J'ai même plus de système digestif, en fait. What? Mais j'ai gardé des papilles. Tu pourrais peut-être me jeter des petites gouttes de sauce. T'as la meilleure vie! C'était peut-être pas si mal de me faire connecter à un appareil de torture pour une éternité simulée d'horreur sans nom, finalement. Ouais, top là. Eh. C'est la manette, la manette. C'est pas cool. Ah, pardon. Désolé.
Je voulais voir le dialogue, mais en fait, what the fuck un peu. C'est un peu what the fuck parce que, donc je sais pas si vous avez remarqué, mais quand l'autre parle dans la tête du coup qui est prisonnière, parle, l'autre en fait c'est sa bouche qui parle à l'autre. Donc c'est un peu chelou, mais ouais pourquoi pas. Du coup en fait il se reconstruit son corps, mais il y a quand même cette tête encore là. What the fuck? Ah donc mon véhicule il se représente en violet, ça c'est intéressant. Ah mais je sais pourquoi il y a des autologues partout en fait. C'est simplement pour qu'on ait un nouveau véhicule. On doit le mettre dessus, c'est vrai, j'avais carrément oublié. Scanne-moi ça toi. Alors j'ai des nouvelles pièces apparemment. C'est cool. Je sais pas ce que j'ai eu, mais. Non, on n'a pas débloqué dessus. Je crois qu'on a débloqué une peinture. Ouais, c'est peut-être la peinture qu'on a débloquée. On va mettre ça comme truc de base. Il faut des roues. Des roues. Du coup. Ah, donc quand c'est un véhicule qui est à moi, il est blanc, d'accord. Et quand il Prêt est pour pas le à combat. moi, il est violet. Je pense à ça. Du coup, non, on parle à l'élite, pas du tout. Hein. Je veux pas faire ça, moi. Je vais aller faire la. Le mollet d'or. Qui est où, en fait? J'ai la carte pour accéder aux stations, voyager à différentes zones de Pandore. Ouais, j'ai bien compris. C'est quoi ça? Orbital affiche toutes les zones que vous avez découvertes sur la planète. Ouais, du coup, non, mais c'est là, nous, de toute façon, on s'en fout, c'est l'endroit où est-ce qu'on est, mais j'ai compris le bail, en fait. C'est un peu bizarre, mais oui, j'ai compris. Ouais, je peux avoir un voyage d'éclair. Je peux avoir deux voyages éclairs. Ah, je peux faire un voyage éclair à mon baroudeur, à mon véhicule? Ah bon? Comment ça, il se nourrit? Ah, c'est moi, ça. Du coup, faut que j'aille par là. Tac, tac, tac. On va faire comme ça. Ouais, on va aller. Merde. C'est vraiment intéressant, franchement. Même là, pour le coup, se téléporter, on a carrément la planète complète. Enfin, genre, c'est 10 fois mieux, quoi. C'était là en fait. J'ai des compétences à les mettre. Je crois que c'est là. Hein. Ouais, c'est là, hein, c'est ça. Mais en plus, on peut passer comme ça. Approche, l'ami. Viens me voir. Il parle à mon aussi. Ça te plaît pas qu'on te lèche? J'aurais préféré un merci. Toi, là, tu apprécies ton dernier souffle. Ok, donc faut trouver les affiches. Ah, ça c'est un avis de recherche, cas de la gueule. On voit bien la main ensanglantée. Je me suis mis à porter ça pendant la deuxième guerre des clans. Non, la troisième. Oui, parce que la deuxième, c'est la fois où j'ai déclaré la guerre à une montagne. Et Devin qui est encore debout pour en parler? Ah, au chat des montagnes. La faucheuse me sourit. Donc 3 coups c'est ça, c'est bien ce qu'il me semble. C'est 3 coups dès le début, sinon après c'est 2 ou 3. Ah merde, j'ai dû t'amuser. Replanté. Mais Rebu, tu redeviendras Rebu. C'est ça, espèce de nom. J'ai aucun souvenir de cette photo, mais je comprends qu'on l'ait prise. C'est mon fidèle Hyperion Red Barrex 2000 avec fermeture en mercure et soutien ajusté. Ouais, le meilleur slip de tout l'univers. D'accord. C'est le seul truc bien que j'ai gardé de chez Hyperion. Ça a l'air
confortable. Un petit secret qui va rester entre nous. C'est la source de ma puissance. Chut. Ah. Ok, j'ai compris ce qui pue la mort. Je me souviens du jour où j'ai pris cette photo. C'est fou les progrès qu'on a fait depuis les selfies de bandits. Parce qu'à l'époque de mon premier clan, si tu voulais une image de toi, il fallait te tartiner la gueule de sang et foutre un coup de poule dans un rocher. Ok, on a de belles images de mon corps viril de bandit. Les DDA ont une imprimante 3D près d'ici. C'est là qu'ils produisent leurs figurines. Scanne les avis de recherche dans l'imprimante pour qu'on puisse fabriquer des versions de moi à la place. Toi, là, tu apprécies ton dernier souffle. C'est la mort qui m'a assassiné. C'est la mort qui m'a assassiné. Oh. On tirait dessus le fou. Ah, j'ai pas vu, mais j'ai mon quota en dessous, regardez. Ah oui, c'est ça, voilà, donc j'ai pas vu, j'ai mon quota affiché. Salut de... Allez, viens, t'arrête. Monde de merde. Coupé. Viens là, toi, messieurs. Le corps, ouais, j'ai bien un petit peu ça, mais je sais pas où je dois aller. Voilà, bon, c'est ça. Bestiaux là, recyclez-moi. Bah oui, je vais te recycler. Ok, photo. J'ai une vague pour toi. Oh putain, la bonne. Ma mission n'est pas encore terminée. Ils attendent mon retour. C'est toujours au pire moment. Tu vas mourir. Toi aussi, hein. Et vol. Des balles. Yes. Ça part très vite ces balles. Pourquoi ça me fait de l'XP? Parfait, maintenant fourre les avis de recherche dans le scanner. Oh merde, je t'explique tout comme si t'étais débile. Excuse. Ah, c'est vraiment sensible, j'ai pas vu les images. Tu es un spécimen de premier plan. Ouais, c'est bon, je sais. Bon, maintenant, on va remplacer les figurines pourries des DDA par les miennes et ma perfection, comme tu l'as si bien dit. Ok. Ok. Ah ouais, c'est ça les DDA. Adieu les DDA. Et bonjour, faune, glorieux héros. Ouais, admirez-moi. J'ai mes propres figurines et j'ai rejoint le meilleur clan de toute la planète. Vive les pillards écarlates. Oh, j'adore cette journée. Ouais, pillards écarlates qui... on est avec pillards écarlates depuis très 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 longtemps. On va pas se le cacher, c'est un moment qu'on est pillards écarlates. J'adore le bruit que ça fait. Quand les Calypso vont voir ma gueule de héros, ils vont péter une durite. Et tu sais, peut-être qu'un jour, je retenterai ma chance, comme chef de guerre bandit. Mais pour l'instant, j'ai pas de problème à te suivre pour exploser la gueule des DDA. Enfin, en tout cas, merci du coup de main. Et oh, tu repasses me voir quand tu voudras, hein. DDA, c'est quoi déjà? C'est pas les jumeaux Calypso? C'est quoi ça? Jumeaux Calypso? Non, les...
2DDA double. Non, c'est pas ça. Non, je sais pas du tout c'est quoi DDA. Parler à Vogue. Ok, d'accord, on va lui parler. Notre ami. Ça n'a pas que ça. Ouais, il est blanc, c'est ça. Allez, on se taille de là. Putain, chef. Arrête de voir, toi. Merci, t'es déjà pile au bout. Je vais en faire bon usage. Bienvenue mon petit gars. Ah d'accord, on l'avait déjà celui-là donc carré. Putain, il manque des trucs là. Ok. The Dracked. Ok. C'est dur au lieu de remplacer ta manette, je sais pas ce qu'elle a en ce moment. Elle se déco et reco toute seule. Je crois qu'elle a pas défoncé. On va mettre là. Bon, on va faire de là un peu. Même le petit truc, le petit fragment là, faut aller le chercher quoi. Les racks. Qu'est-ce que. Oh, ça fait rien ça. D'accord. Filez-moi la thune. Ouais, il veut le dérac. Ouais, c'est quoi ce bestiaux? Ah ouais, on peut alors même leur déchiqueter les ailes et tout. C'est des sortes de vautours un peu. Avant c'était une espèce de chauve-souris. Ah oh, putain. Arrête mon aile de merde. Ouais, toujours aussi pas résistant. Ouais, manette. Je crois que c'est parce que j'ai trop la faire tomber. Peut-être qu'elle elle est clairement endommagée maintenant. C'est pas du tout. J'espère encore. C'est loin la quête. Oui, c'est tout là-bas. Oh oui, d'accord. Oh putain, moi je marche comme un con là-bas. Bah, attendez, est-ce qu'on peut se téléporter genre tout de suite? Placer repère, zoom. Repère personnalisé. Je peux pas faire un voyage rapide. Vue galaxie. What? Non, on me dit pas que on peut aller dans l'espace du coup. What the fuck? Par contre,
pas me TP. Parce que je suis un, j'ai des ennemis sur moi. Putain, mais cassez-vous. Il y a une quête là. Dedans, mais faut quand même qu'on aille là et qu'on aille à un autre endroit. Ah peut-être que ouais, on est peut-être obligé de faire ça. Ça me paraissait. Ouais oui, on est obligé de faire ça, d'accord. Ça me paraissait bizarre aussi. Ok, il va te falloir une arme spéciale pour récolter les figues des cactus. Je l'appelle la fruiteuse. Parce qu'elle sert à récolter des fruits. Bah quoi? Je suis chef, moi. Bon, inventeur de nom. Avant, okay. J'étais le roi des cuisiniers, mais un jour, un de mes rivaux a fait courir la rumeur que mes skagdogs étaient remplis de peaux mortes et de rot. Merci, chasseur des lars. T'as réalisé mon rêve. Je parle à Lise, je ne peux pas lui parler. Tout le monde devrait avoir sa propre figurine en or, non, tu crois pas? Entre nous, on n'a peut-être pas détruit les DDA aujourd'hui, mais quand ils vont voir ce qu'on vient de faire, ils vont comprendre qui c'est les boss. Ah, ça ouais. Ils vont juste s'en battre les couilles, mais c'est pas grave. Putain, tu fais des pompes, je crois qu'il allait, se projeter devant moi. Putain, j'ai cru là, je me suis dit. Oh. What? C'est mon singe. Mission terminée, donc là c'est la quête principale, on s'en fout pas les couilles. Du coup, en secondaire, on a la level 7 qu'on vient de choper, la Skagdog Royal. Skagdog Royal, du coup, qui est je ne sais où. Elle est où cette connerie? Ah, elle est loin, j'ai jamais été là-bas du coup. Je peux me TP ici apparemment. Est-ce que je peux me TP directement? Ouais, je peux pas. Faut que j'aille à un endroit de TP. Pour se TP. Ça, c'est pratique ça par contre. C'est plus pratique que dans le 2 en tout cas. Donc on doit aller du côté là. Ouais, j'éclaire. Un petit véhicule des familles. Je sais qu'il y a un véhicule qui était vachement dur à. Oh, oh joli celui-là. Pour les Calypso. Regardez, il est venu juste pour moi le petit là. Ah non, du coup il est quand même violet. Et il est quand même normal en fait. Pour le combat. Ah, parce que je l'ai déjà la couleur là, c'est pour ça. En fait, c'est quand il est violet que c'est une couleur que je n'ai pas, j'ai l'impression. Je trouve que c'est ça. Ok, donc du coup, je l'ai déjà. Par contre, j'aimerais bien savoir si je peux utiliser les autres. Ça, du coup, c'est celui-là dans le 2, ça, en fait, quand j'y pense. Mais le buggy, c'est pareil, c'est celui-là dans le 2 aussi. Oh, mieux fait. Mais c'est ça. Du coup, techniquement, ce que je prends ce véhicule. Est-ce que j'ai accès directement? Apparemment, je n'ai pas accès. J'aime ton enthousiasme, j'ai accès, donc j'ai pas débloqué les autres. DDA. Ça aurait pu être Dieu quelque chose, peut-être. Sur le chemin, je ne sais pas. Ouais, faut qu'on sorte de là. Et mon singe, il est en train de se battre là-bas. Il aime bien se battre, mon singe. Sauterelles. C'était même pas les sauterelles, c'est les sales gosses là. Les sales gosses. Toi là, tu apprécies invincible. Avant, je me rappelle, c'était hyper pété sur le jeu. Il m'a fait tomber. Oh putain, c'est quoi ce bestio? Oh, il est résistant. Oh, ça me fait rien. Ah. Oh. Oh non. Oh non! Ne dites pas que. Espérons que. Ça a craché, mais j'espère que. J'aurai pas le même problème que dans le pré-séquel. Ah, ne dites pas ça!
Oh merde, j'y pensais pas à ça, je pensais pas qu'il y aurait de crash. Là c'était à cause de la manette, parce que la manette elle arrête pas de bugger depuis tout à l'heure. Je sais pas ce qu'elle a. Puis je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter, je vais voir juste où on est. D'accord, j'avais pas fait gaffe que c'était la même chose que... Ok, AMD, Ryzen, on s'en fout. Ça c'est le chargement. Donc la jeune trappe, pardon, qui a bien pris cher comme depuis l'époque. Ah oui, donc son antenne, c'est vraiment la classique qu'il y avait avant déjà. Moi je lui mets un parapluie normalement. Le premier Borderlands de 98 quand même. Enfin, c'était écrit en 98. C'est quand même vieux le premier Borderlands en fait. Hein. Il est vieux le premier. Espérons que ça a sauvegardé automatiquement. Espérons. Ah, The Drought. Je sais pas où on était. Content de te revoir. Ça nous a mis où là? Oh, trouver la fruiteuse. Alors, la dernière sauvegarde était de là. Donc, est-ce qu'on est? Là, non? Ah donc en fait ça nous a remis en endroit là. Ah donc comme si qu'on était mort alors. Du coup. Donc, apparemment on a découvert l'endroit là-bas donc ça a sauvegardé apparemment. Apparemment. Ce que je vois en tout cas ouais ça a sauvegardé. La chasse s'envole. Ouais, parce que regardez tout à l'heure, on avait découvert ça. Et genre, ça sauvegardait. Ah, ça sauvegardait quand même. Ok, bon, à savoir. Donc, l'automatique est plutôt. Toi, cool. Là, tu apprécies ton dernier souffle. Je vais te faire crever en fait. On était juste là, bon, on a perdu un peu de temps. Ah, c'est vrai qu'il y avait le bestiau là, mais du coup, il est mort alors le bestiau. Ah, je l'avais tué du coup. Ah, voilà la fruiteuse. Chope-la et au boulot. Va me récolter des figues de cactus. Ces petites beautés sont tellement succulentes que mes clients s'intéresseront même plus à ce qu'ils ingurgitent. Et tant mieux pour moi. Et t'avise pas de me juger. Si c'est mauvais de servir aux gens des petites peaux et des bouts d'ongles, je veux pas savoir ce qui est bon. Ok, donc là faut qu'on aille trouver des cactus, c'est ça? Mais c'est loin. Il veut qu'on aille de l'autre côté de la map, mais il est fou lui. Hein? Oh, c'est violent. Oh, c'est violent ce truc. On va fuir. J'ai pas envie de mourir ici. Bon, ça j'ai fait le taf. J'aurais dû prendre plus de grenades. On va faire comme ça, voilà, on va courir. On prend notre véhicule. Oh, je peux être invisible dans le véhicule? Oh, mais c'est génial. Mais du coup... Ok, non, du coup on était invincible. Mais... Encore plus la classe quand je t'aurai trouvé. T'oublieras jamais mon nom. Oh, je m'appelle. Mais je suis Manu. Une tempête de chaos. Qu'est-ce qu'on s'en fout, toi? Une morcherie. Captain. Impossible. C'est bon. Skag. Tu tombes dans l'oubli. Ah, c'est le Skag à plus moisi, ça.
Ah, il est prêt en tant que bébé et puis décoration masse de Jack. Oh. Attendez, c'est masse de Jack jour de Jack vraiment. Ok. Je sais pas ce que c'est. Pendentif. Je sais pas. Y a des... Ah, t'as des trucs. Déjà, on peut mettre des colliers et tout peut-être. C'est intéressant. Pour vous faire un petit personnage sympathique. Singe, tu vas t'en occuper des bébés. Oh oui, tu fais 24 de dégâts, c'est bon. Tu fais des ennemis avec le pistolet de Jacobs en tirant jugé. Ouais, donc en gros, on tire la veuguette. Oh, 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 oh. Je peux pas le prendre. Mais mon âme est éternelle. Je sais pas si vous prendre le non, je pense pas. Hein. Je voulais prendre le véhicule pour pouvoir le débloquer. Bienvenue, mais mon petit gars. Apparemment. Non, c'est une RTP ici. Oh, c'est chiant ça. Attendez, on était où nous sinon? Ouais, c'était là-bas. Oh, c'était pas sur ça. Ça ne t'appartient plus. Accepte ton châtiment. On écrase le mec. Par là-bas. C'est par là-bas, hein, c'est... Je sais pas du tout. C'est dommage. J'aurais bien voulu prendre le véhicule. Je sais pas si on peut le prendre. Mais les mecs là, ils vont me faire chier. Ils sont encore venus ceux-là, je suis sûr. Ah, ils sont pas hip-hop. Ah non. Si on en prend comme les autres Borderlands, normalement c'est au bout de 15 à 30 minutes qu'ils hip-hop. Vraiment, donc ça va. Je pense qu'on va se faire finir ce cactus là et puis on va s'arrêter là. Hein. Ah, il est là ce putain de véhicule. Côtelé. Ça sent bien. C'est quoi ce scog, là? Derrière, il va me protéger. On a... Ah, les armes légendaires sont affichées avec une croix. Ok, c'est génial. On a débloqué une charge, une arme légendaire avec ce petit truc sympa. Bah écoute, on va la changer. Oh. Oh. Oh, on a du lourd là. Oh, c'était un skag potelé, donc c'était un mini boss ça. Intéressant. Ah, c'est un sniper. Ça va être pété ce truc là. C'est une mitrailleuse, mais sniper, enfin avec une grosse visée. C'est intéressant, on va voir ce que ça donne. Et là, le petit nouveau fusil là, qui a l'air d'être sympa aussi, un petit peu fusil de pirate comme on l'avait au début. Du coup, on va aller au cactus. Ah, d'accord, on a débloqué un truc pour se régénérer. Là, ce repop. En ce qui concerne la fruiteuse, elle a une fonction secondaire, le gros boom. Tu sais, comme pour les pilonnages et les grenades, hein. Enfin bref, ça veut dire que ça fait tomber les figues. Essaye. Oh, oh, c'est quoi ça? C'est bizarre lui, c'est partout. Wow, 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 c'est quoi ça?
Oh, ils sont bizarres les scags là. Amuse-toi bien à pourrir. D'accord, faut couper les bras. Bon, les figues. Les figues. Ah, comment on fait pour les prendre? Insensible, d'accord. Insensible. Ah, c'est ça que ça fait, les grenades. Donc, en fait, elles font un espèce de genre un courant électrique. Et elles pètent aussi. Ah, c'est sympa. Du coup, comment on prend ces trucs-là? Ah, des figues. On a sûrement un objet de quête, peut-être. Je sais pas, tiens. Par contre, on a deux points de compétences. En vrai, on va passer à ce bestiau-là, parce que j'adore ce truc. Vous débloquez les compétences à gauche et à droite de l'arbre de compétences en déposant vos points. N'oubliez pas que vous pouvez équiper ces compétences pour en profiter. Comment ça? Attendez. Je suis en bas. Compétences d'action. Ok, non, j'ai pas ça encore. Oh, par contre, j'ai débloqué ça. C'est quoi ça? Ah, j'ai débloqué une nouvelle. Ah, c'est ça, on pourrait acheter des compétences. C'est ça, les trucs sur le côté. Compétences, arôme atomique. Pendant que l'explosion gamma active, le familier de Fleck est entouré d'une aura de radiation qui inflige des dégâts constants à tous les ennemis de proximité. Oh, c'est bien, ça fait penser un petit peu au truc de. Je sais pas si on peut le mettre. Comment on le met ce truc là? Ah, peut-être qu'il faut que je débloque. Ah, ouais, je crois qu'il faut que je débloque un truc là-dedans. Régénération de 15%. Dégâts renvoyés. Je sais pas si je peux le mettre ce truc là. Je sais pas comment on le met. Ah, nécessité explosion. Ah, ok, j'ai pas vu. Nécessité explosion de gamma pour être. Ah, donc je suis obligé d'avoir le truc là. Je sais plus c'est lequel. Explosion de gamma, je crois que c'était ça. Ah, bah c'est dans la partie là en fait. Ah, ouais, mais j'ai amélioré un truc. C'est même pas mon secteur en fait. Merde, la manette. Ok, j'ai amélioré vraiment un truc qui a rien à voir avec mon truc. C'est ouf en vrai. Mais c'est pas grave. Du coup, on prend les figues. Oh, tu m'as fait peur, toi. Comment on prend les figues? Faut que je lise la quête, en fait. Un journal. Chinois a besoin, il vous demande de trouver des rapporter des fruits, ce qui lui permettra d'en haut de la chaîne des services alimentaires. Les fruits, c'est la vie. Ouais, il a raison, un peu. Enfin, les fruits, c'est la vie, je sais pas, mais en tout cas, pour dans ce secteur-là, au lieu de bouffer des gens, oui, c'est peut-être mieux de bouffer des fruits. Alors, je sais pas trop comment récupérer ça. Ah, peut-être en donnant un coup comme ça. C'est insensible. Hein. Alors, peut-être, je dis peut-être bien, hein, peut-être une connerie, avec le véhicule, si on peut faire spawn un véhicule. Ouais, c'est un chou, un peu, ça se claque. Ah, c'est une grosse boîte, ça. Donc, c'est bien les légendaires, c'est bien représenté sur la carte. J'aime bien cette nouvelle arme là, déjà. Ok, donc là, on a un gros fusil sniper. À 48. Ouais. 48 de dégâts, c'est pas dégueulasse, mais pas ouf quoi. Non plus, parce que j'en veux pas en fait. Je crois que je jouais sniper, comme je vous l'ai dit au début, j'ai beaucoup joué sniper dans après Sequel et dans le 2, et j'ai pas trop envie de jouer sniper. Je joue un peu bourrin. Par contre, je sais pas comment on fait du tout ça. Ah, oui, mais. D'accord. La grenade, hein.
C'est un peu genre la capacité de claptrap, genre ce truc là. Avec les lasers et tout. Putain, je sais pas du tout comment on fait prendre des figues de cactus. Comment on les récolte ces trucs? Il y a bien une quête de... On a bien une arme de quête. Forcément une arme de quête. On a ça là. Comment on peut... Ah oui, j'ai pas vu la vla. La fruiteuse, la vla. Je me disais bien qu'il y avait un truc. Putain. Il nous a menti le monsieur. Ah, ils sont foutus. Ah mais attendez, il y a un autre mode. Oh, je sais pas ce que c'était mais... C'est un lance-grenade ou quoi le truc? Ah c'est un lance-grenade. Wow d'accord, sérieux? Tout ça pour un lance-grenade? Vous êtes sérieux les gars? Non mais en plus c'est un fruit partout. Sérieusement quoi. C'est juste un lance-grenade quoi. Abusé. Par contre comment on monte dessus? Bonne question. Là, ouais, c'est bon. Par contre, le lance-grenade est 10 fois mieux fait qu'avant. Aussi pareil. On a vraiment le fait de recul et tout. Encore une. Oh, j'ai peur. Allez, en haut là-bas. Je sens qu'il y a des scars qui vont tout mettre dessus. En bas. Salut. Il est pas très résistant, mais. Oh les gars, calmez-vous un peu. Je reprends mon arme légendaire parce que ça va pas le faire. Hein. La fruiteuse, c'est un peu de la merde. Hein. Putain, mon singe. Oh, il fait quand même mal. Hein. Je sais pas si je peux modifier ses armes après. Pour lui qu'il n'ait qu'un fusil. Quoi. C'est un gros comme ça qu'on avait là. Il est fou le truc. Oh, un commentaire bestiaux. C'est un rat qui nous attaque? Ah ouais, c'est un rat. Oh ouais, c'est quoi qui me tire dessus? Cool. Ok, on va ramener ça, je pense. Je crois que c'est fini. Hein. De toute façon, on a plus de quête là. Ah, ok, on peut voir aussi quand notre animal a tué un bestiau. Genre, ça s'affiche sur la carte. Enfin, sur mon. Quand je cours. C'est dedans en fait qu'on doit aller là. Ah, mais oui, c'est là. Mais. Tuer le Skag Alpha. Je te le démonte le Skag Alpha. On dirait un requin ton truc. Je te le démonte, on regarde. Bam, bam. Ça ne m'intéresse pas de cuisiner de la chair. La vie de chef n'est pas faite pour moi. Mais bon, tout le monde n'est pas taillé pour devenir chef. Ramasse la viande de Skag. Ouais. On dirait que quelqu'un m'a braconné mes figues. Et conformément au code des chefs, il doit mourir. C'est sûrement le chef bandit Beefsteak. Va le buter. C'est vrai qu'elle a viande de Skag encore. J'avais carrément oublié cette histoire-là. Bientôt, mon rival agité de la spatule va payer pour tout ce qu'il m'a fait. Mais d'abord, on va faire payer mon nouveau rival, Beefsteak. La vie de chef, c'est en grande partie des meurtres. Peut-être ils bouffent pas peut-être des humains, en fait. Mais c'est dans leur menu, c'est sûr. S'il y a des crânes partout, forcément, c'est qu'à un moment donné, ils ont tué des mecs, ils ont empalé ou... Ils ont, je suis sûr qu'ils ont bouffé quelques bras. Je suis sûr qu'il y a des trucs sur... C'est même sûr. Mais c'est vrai que j'ai pensé qu'il y a des animaux, en fait. Si, il y a bien des animaux, c'est vrai, les rats, tout ça, là. C'est des trucs un peu bizarres, mais... C'est des bestioles, quand même. Ah, c'est l'autre côté. D'accord. Putain, mais c'est bien, je suis trop content qu'on trouve aussi facilement des légendaires, en fait. Qu'avant, on galérait à trouver des légendaires. Et encore, elle valait même pas la peine ce qu'on trouvait. C'était de la merde. Et là, on trouve des trucs comme ça qui spawnent tranquille. C'est la fête. Ça spawn partout. Déjà deux et trois, parce qu'on a déjà eu la grenade légendaire aussi qu'on a sur nous, qui est vraiment utile. Après, je sais pas si on le gardera ou pas, enfin, mais. Oh, ok, méfie-toi des skags de Beefsteak. Bouffe-mi et bouffe-moi. Ils sont capables de bouffer tout ce qui bouge, y compris toi. Ouais, ils sont chelous. J'ai assaisonné le chef Beefsteak pour son dernier repas. Ah, bouffe-moi, bouffe-moi là, calme-toi. Ramasse la viande pour les skag dogs. Oh, encore une légendaire. Encore une.
Ah, c'est une blague. Mais regardez celle-là. Par rapport à l'autre, elle est bien mise en précision. Elle fait plus de dégâts. Moi, l'électrique, là, il y a le problème. Dégâts, coup critique, 15%. Zoom. On peut la tester en vrai. De toute façon, je l'ai gardé sur moi au cas où. C'est abusé, on tombe sur des légendaires comme ça, quoi. Ah, oh, lui, il est peut-être mieux le fusil. Ouais, 9 x 12. Le problème, c'est que l'autre, il a moins de... Ouais, il a moins de... La moindre précision en fait, c'est juste genre un gros bourrin quoi le truc. Ouais, non, on va peut-être la recharge et tout, c'est peut-être intéressant. Mais... Bof, bof. Ah oui, la viande. Bon boulot! Encore viande. Un peu de skag et je pourrais clamer haut et fort que mes skag dogs ah. Contiennent 5%. Ça, c'est un véhicule que nous n'avons pas. Regardez les violets. Apporte-moi les ingrédients pour toucher ta paye. Ouais, bah attends, mon pote. J'ai vu qu'il y a un véhicule en bas là. Alors oui, en effet, il y a un véhicule de la DDA. Je sais pas s'il est à moi ou quoi, mais on l'a pas celui-ci apparemment, il est violet. Donc est-ce que c'est vrai que la théorie se révèle juste? Si j'amène ce genre de choses. Mais ça, t'as vu toi? Ah ouais, mais non, mais faut que j'aille amener le véhicule, moi. Il y a un truc loin? Ah non, à côté. Oh, on va le laisser là, on le reprend après. Prêt à chasser? Celui apprendra à ce couillon arrogant agité de la spatule. Dès que les gens auront goûté à mes nouveaux skag dogs améliorés, je retrouverai le sommet du gotha culinaire. Et je t'offrirai des skag dogs à vie. J'espère que t'as faim. Skag dog, c'est quoi? C'est des hot dogs, quoi, c'est ça? C'est chien chaud. Vu que les skags, c'est un peu des chiens, bah voilà. Oh là là, c'est très drôle. Hein. Est-ce que la théorie se révèle juste? Ah non, la théorie ne s'est pas révélée juste. Alors pourquoi il y a des violets? Pourquoi il y a des violets et des pas violets? Alors là, j'ai pas compris. Je ne. Ah, tenter. J'ai débloqué ça. J'avais pas ça avant. Ah, peut-être que si j'ai peut-être débloqué des trucs en fait. Ah, peut-être que c'est pas. De la ch'touille. Ouais, mais je crois que c'est ça, c'est les dieux, je sais pas quoi là. C'est bon, calmez-vous. Je veux pas. Je veux pas. Oui, plus haut. On va pas avoir notre base. Et voilà, on va s'arrêter là. Pour le live, honnêtement, on a bien avancé. On a fait des quêtes secondaires. Alors, je sais pas trop comment choper les quêtes secondaires de tout l'endroit en fait, techniquement. Parce que, bah, je sais pas, il y a rien qui s'affiche. Donc, peut-être que ça s'affiche au fur et à mesure des quêtes principales. Après, il y a des zones qu'on n'a pas faites. Donc voilà. Mais... Parce que là, en fait, on a fait que deux zones, c'est ça. On a fait que deux zones. Et le baroudeur. C'est notre véhicule. Ah, je peux faire un voyage éclair du coup. Ouais. Ah mais je peux faire un voyage éclair alors. Apparemment je comprends pas. Tout à l'heure je pouvais pas et maintenant je peux. What the fuck, je comprends pas. Ah mais calme-toi le mec. Là les défis, donc là on peut faire des défis si on a envie. Un peu comme c'est les défis Brutas, ça, hein, c'est un peu le même style. Hein. Et ce qui est bien au moins c'est détaillé par rapport à avant. Voilà, et puis là on a découvert 69% de la zone. C'est pas énorme. Enfin si c'est pas mal mais enfin c'est pas énorme non plus parce qu'on a encore toute la partie là qu'on n'a pas faite. Partie là, la map est géante. Voilà, la manette pète un câble. Du coup, ouais, c'est tout, en fait, après. Après, il y a des armes qu'il faut que je revende, là. Je sais pas c'est quoi, c'est pas la valeur, hein, ça. Ça, je sais pas ce que c'est. 82, tout ça, là, je sais pas ce que ça veut dire. Putain, mais calme-toi. Et là, c'est la nouvelle arme légendaire. Ouais, c'est pas trop dégueulasse. Ouais, ça va, on avance bien. On est déjà level 9, alors qu'on a commencé à peine le jeu. Le niveau avance plutôt vite. On est déjà à moitié du level 9. Donc voilà, après si je chope de troquettes, au passage de toute façon on les fait hein, comme d'habitude. Mais c'est vrai que le secondaire on n'a pas l'option de. Putain. Manette, réveille-toi. On n'a pas l'option de voir les. Ouais c'est qu'on a fini l'histoire ça. Calme-toi. Putain, espérons que ça sera. Le problème soit réglé la prochaine fois. Je sais pas pourquoi j'ai ça.
Niveau 4 ici. Là, on a déjà fait beaucoup de 4 secondaires. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4 secondaires déjà. Pour seulement 2 principales. Franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que ça va s'afficher quand même? Parce que c'est vrai qu'on les voyait pas s'afficher. On les voyait s'afficher de loin sur la carte. Mais si on avait débloqué l'endroit. Donc, espérons-le que si on débloque l'endroit, ça s'affichera sur la carte. Et pas quand on arrive à côté. Parce que là, c'est vrai qu'on voit pas, on voit pas trop. Sinon. Mais je pense que ouais, ça, là, je pense qu'on a tout fait. À moins qu'on n'a pas débloqué ici dans les endroits sombres, ce qui est possible. Ce que je pense. Il faudrait qu'on aille checker avant de peut-être faire la quête principale. Histoire de déverrouiller un peu tout. Ou faire la quête principale et au fur et à mesure débloquer. Ouais, je pense qu'on fera ça. Peut-être qu'il y aura des moyens des endroits où on devra y aller avec la quête principale. Je pense. Comme ça, et puis on verra bien si on débloque. Voilà, voilà. Comme avant, quoi. Voilà, voilà. Bah écoutez, merci à vous d'avoir regardé. Franchement, c'était vraiment sympa. J'ai bien aimé ce petit épisode-là. Épisode 2, du coup, du Let's Play. Alors, je sais pas combien de temps on aura fait, du coup. Combien de temps on aura fait? On aura fait quand même 1h30. 1h30, c'est suffisant. C'est pas énorme, mais je trouve que c'est assez suffisant. Donc, merci à vous d'avoir regardé. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.